Donc, c'est l'histoire d'une girafe qui déteste... En fait, c'est pas une bonne idée, c'est le doigt où j'ai mal. Ah, tu veux quelque chose de plus? Non, il faut bien Yves. Donc, le titre, c'est On a volé la princesse de Elsa Denervois et de Yves Calarnou. C'est pas Denervois. Attends, je regarde juste la maison d'édition parce que je la trouve pas. Bayard. Bayard Jeunesse, ok. Bah, je sais pas, vas-y. L'histoire commence par un chevalier qui regarde. Putain, mais il y a combien de pages dans l'histoire? Merde. Merde. Catastrophique. Donc l'histoire commence. Oh non, putain, il en reste un. Oui, c'est le pire. C'est le dernier, c'est pour ça que je te l'ai laissé. Mais me regarde pas, c'est pas drôle. Mais tu veux que je regarde le retour? Mais je peux pas. Ça fait con si je regarde comme ça. Moi, ça fait un peu psychopathe. Mais putain, elle est. Mais elle vaut pas que ça. On y va. Allez, c'est parti. Vas-y. Donc, l'histoire. Non, Magali, il faut que je le fasse. Mais pardon. Vas-y. Oh là là. On a mangé un steak. Il y aurait juste un. T'es obligé. Je sais pas vous, mais nous on s'est bien amusés. Hein. On se marre. Allez. Vas-y. Ne rigole pas. Non. Regarde. Vas-y. Tu regardes. Ne regarde pas, s'il te plaît. D'accord. Je vous mets plus comme ça. Hop là. Bah, je suis peut-être un petit peu surexposée quand même. Ouais, non, parce que t'es hyper blanche. Non, mais je suis orange. Je vais attraper un coup de soleil. Allez. Donc là. Et moi, c'est pas bon. Ça me déclenche les fous rires. Allez, vas-y. Je dis le premier livre. Mais arrête de danser, putain. Pardon. Ça, tu n'es pas le putain. Non, ouais. Allez, vas-y. Pas une idée. Vas-y. Non, quand on vient de la gueule, j'essaye. Allez-y. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un book haul. Voilà, tu couperas. Je vais la refaire. Non. T'as rien en dit. En fait, tu sais ce qu'il nous faut. Qu'est-ce qu'il nous faut? Un prompteur. Parce que moi, plus de trois mots, ça ne vient pas. Donc c'est l'histoire, c'est pas c'est l'histoire. On y va. C'est pas contre toi, tu sais. Allez, vas-y. Donc c'est un roman post-apocalyptique. Le premier livre que j'ai à vous présenter, donc c'est Sherlock de Sébastien. Tu étais comme ça. Non, là j'ai juste mis mon rouge à lèvres. Vas-y. J'étais bien là. Ouais, t'étais bien. Ah, la mytho. Le premier livre qu'on vous présente, c'est Sherlock. Oh là là. Oh, tu veux pas commencer? Non. Après, si tu veux, je te laisse faire la vidéo. Et je m'en vais. Il faut que tu commences. Hein. Oui. C'est l'histoire donc du scarabée et de la chenille, je l'ai dit. Je sais plus. Oh, Charlène, je vais pas bien. Papa, je sais plus ce que j'ai dit. Je l'ai dit ou pas? On recommence. Non, mais t'inquiète, c'est pas comme si on avait plus de place dans la bande. J'aimerais que tu me regardes. Ah, pardon. Il faut que tu regardes l'objectif. Pas ah, oui, c'est vrai. Bonjour à tous, bienvenue sur notre. Vas-y, fais-le. Tu sais quoi? Moi, je suis saoulée, je me casse. Allez. Comment t'es? Quelqu'un peut l'aider, la dame? Parce que on n'a toujours pas commencé. Hein.
je fais ma voix. Excuse-moi. Allez, vas-y. J'en étais où quand j'ai bugué? Vous en étiez où? Il n'y a plus de batterie. Mais non. Bah si. Vous en étiez où les petits? J'en étais la bouche, les cahiers, donc... Les cahiers. Donc... alors toi tu viens, mais tu suis pas, tu nous aides pas. Hein. Mais si, donc ça peut... Non, tu sers à rien, si, ça. Si, si, oh si, donc ça peut... Le deuxième livre qu'on vous présente, donc c'est à partir... Enfin... Oh putain. Je ne sais pas, je ne peux pas t'aider, je ne sais pas ce que tu veux dire. Et alors du coup? Arrête, parce que quand tu me dis ça, tu sais à quoi ça me fait penser. Et du coup, j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs. Je ne dis pas du coup. Bonjour à tous. Il n'y a pas une poussière sur l'objectif? Si. Alors, c'est pas de l'ASMR qu'on fait, hein. Ah, bonsoir. S'il a envie de lire de la BD, il lit de la BD, de l'album, du roman. Tout en faisant quand même attention au manga. Ouais. Parce que les japonais... Ils sont pas branchés que sur le riz, hein. Non, alors vas-y, on recommence. Tout? Mais... Conseil numéro 6. On dirait l'autre. Numéro 10. À donner à manger au croco. Non, mais t'as pas trouvé? Non. Ah, d'accord. Mais maintenant, je vais y penser. Merci. Allez, bisous. Hein. Bisous. Bisous. Allez, salut. Bisous. Attends. Je vais faire un bisou. Oh non, arrête. Putain, c'est relou. Ah non, non. Oh là là. Elle s'est incrustée. Elle me fait trop rire. Papa. Ouais, salut. Ouais. Conseil numéro 7. C'était quoi cette voix? Je sais pas. Mais j'ai rien dit. Montrer l'exemple. Eh ben plus ça va et moins j'ai de mots. Montrer l'exemple. Plus de son, plus d'image. Allez, c'est parti. Ah, putain. Réfléchis, mais allez. C'est parti, on commence avec... On commence avec... avec quoi? Monsieur? Avec du vin chaud. Si parfait, putain c'est pas vrai, merde. Bon, je dis tous les gros mois, après ça ira mieux. Allez, on continue avec un autre album très grand qui s'appelle Elizabeth, la reine punk. La reine. Hein. Ça tombe bien parce que j'étais en train de rire de l'autre côté. Donc cette histoire, pourquoi je dis toujours alors cette histoire? Je sais pas, moi je dis toujours on continue, alors tu vois. On y va. Donc dans cette histoire, on raconte... Non mais enfin à un moment donné, si tu veux que je sorte, je peux ressortir, hein. Attends, pardon. Je change de livre. Donc dans cette histoire, la question qui rôde, c'est quel est le secret du Père Noël pour ne jamais se tromper? C'est quoi, c'est français? Ah, je la connais pas celle-là, je ne peux absolument pas t'aider. T'as vu, je ne te suis d'aucun secours, je suis muette comme une carpe. Tu me regardes, vas-y, galère. Alors... Oula, oui. T'es avec nous? Ouais. On a fini vraiment, ouais, tu me fais bizarre. Ou alors c'est qu'on devient pro. Ah, je crois pas. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Non, c'est pas ça. On vous remercie d'avoir... J'espère. Et voilà, notre mi... Ouais, tu me laisses et t'as marre. Ah, bon. Abonnez-vous. Chez vous, chez vous.
Je la refais. Mais t'as pas fait. J'y vais, non, mais parce que je me suis étranglée. Ah, <d'accord. rire> On y va. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui. Non. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la littérature jeunesse. Non. Si ? Non. Bah quoi ? Attends. Bouge pas. Bouge pas. T'es avec nous ? Oui. Je sens que ça va être compliqué. Oh, c'est bien que tu me caches. Alors attends. Attention, bientôt j'ai plus ton gilet. Tu me le colles à la gueule. T'es prête ? Oui. T'as faim, non ? Comme ça, j'ai pas le goût. Putain, on va avoir. Bonjour. Ah, on dirait une nonne, tout va bien. Allez. Putain. C'est bon ? Ouais. Ouais. Allez. Parti. Ce soir. Ça, c'est qui ça ? Oh, c'est marqué dessus, Magali, quand même. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne littérature. C'est pas ça du tout. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne consacrée. C'est difficile de dire ça. Non, tout à fait. On y va. La première BD que j'ai. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle m'a dit rigole pas, faut pas me dire ça. Je t'ai dit ça il y a 2 minutes. La première BD que j'ai à vous présenter, donc, c'est Charlotte et moi de Olivier Clerc aux éditions Macaca. Je savais que t'allais rire, donc j'ai mis un petit temps. Je me suis même posée comme ça. Pour que tu puisses rire à loisir. C'est bon ? Magali. Mais t'es toujours en train de remonter tes ailes comme ça. Tu vois quelque part ? Et voilà, on a maintenant terminé de vous présenter nos 6 albums. Moi c'est aussi. DBD. Et voilà, nous avons ces. Non. C'est parti. Tu vas quelque part, Claude. Ça va, ça va, rien. Non. Ça ira mieux, c'est ça, tu penses? Oui. Vas-y. Il y a trop de trucs à dire, donc du coup je me mélange. Mais bon, vas-y, on va essayer de te rattraper. Bam, bam, bam. Allez. Je fais de ta vue. Oui. Plus ça va, plus je fais des bruits. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est pour les zygomatiques. On vous présente une sélection Girl Power. Oh la bonne. Ouais. On l'attendait, c'est là. Qui quoi ? Se retrouve malgré elle obligée d'entrer dans une école. Non. Non. Bon, je me tais si tu veux. Non. Qui ? Attends, je sais pas ce que je vais montrer. Alors attends, putain, j'ai pas mis de post-it. Mais à chaque fois, je fais le coup. Mais c'est pas possible. Aussi. Moi aussi, je suis la spécialiste. Oh là là, mais je m'énerve. Je me gave. Je me gave. Allez. Vas-y. Qu'on arrête de s'agiter comme ça, comme des pintades. Parce que... Tu t'es pas envolé aujourd'hui. Ah non, c'est vrai. Non, on n'est pas aiguilleur du ciel. Non, alors on fait un. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pas du tout. C'est pas ça. Et bienvenue dans la litre là. Non, ça va mieux. Bah oui, je comprends beaucoup mieux. Attends. Je suis Charlène. Je suis Magali. Et aujourd'hui, c'est ravioli. Les plus anciennes traces de natation.
Donc les magazines de manga, les mangashi, se développent... Oh putain, c'est pas possible. Ah. Magazine de manga Smusti. Smustifli. Bah vous traduisez hein. Smustifli, multiplie, c'est pareil. C'est parti. 330 ans, il n'y a plus de batterie. C'est pas vrai. Mais non, mais il n'y en a presque plus, donc il n'y en a pas. Vas-y. Je bouge pas, j'ai peur, vas-y. J'en veux plus. Allez, là, on est qu'au deuxième livre. Allez, c'est parti. Oh, il n'y a plus de batterie. Comment on fait? L'originalité du récit. Voilà, c'était chi. Voilà, merci. L'originalité du récit qui nous est présentée du point de vue de l'animal rigole pas, putain. Oh merde. Allez, c'est parti. C'est bon? T'es avec moi ou je t'ai perdu définitivement? Vas-y, vas-y. On a tout fait? Eh ben j'ai l'impression que oui. Et oui, mon cher Jamy. Nous avons terminé. Alors, j'y vais. T'es prête? Coucou. C'est parti. Vas-y. Mais non, t'es pas prête. Mais attends. Si, je suis prête. Ah, je vais regarder les softbox, moi je suis en train de cuire. Magali, mais tiens, fais du tir là, parce que... Là, on va griller, là. Oh, j'en peux plus. Alors, attends. C'est au moins du 3000 watts. Vas-y. Attends. Prenne un éventail. Oh bah oui, tiens. Et si on en faisait? Allez, c'est parti. Oh, tu vas me foutre dans le visage quand même. Oh là là. Allez, concentration. Les lumières. On n'a jamais ces lumières d'allumer. Jamais. Bah maintenant, je peux plus les éteindre. Hein, sinon, ça va se voir. Parce qu'elles nous font une ombre dégueulasse. Cette vidéo, c'est un fiasco, c'est pas possible, on va pas y arriver. Ensuite, on vous présente donc un album, il s'appelle donc Dingo, donc c'est de Zadie Smith. Ça commence. Voilà. Allez, on s'en va, c'est bon, on a terminé. Voilà. J'ai pas. Attends. Donc, on a plein d'informations qui n'ont pas forcément... je sais pas ce que je voulais dire, c'est pas ça que je voulais dire. Ah, j'adore. J'ai chaud, j'en peux plus. Un autre album, donc Planète Microbe d'actualité. Quoi? Tu dis un autre album qu'on vous présente. Mais je l'ai pas dit là. Non, tu l'as pas dit. Donc tu viens de me casser ma présentation en fait. Ça y est, mais ça m'est revenu. Ah, je suis contente que ça te revienne là maintenant, dis donc. C'est dommage que ça ne te soit pas revenu après. Mais t'as raison, coupe-moi. Du coup, c'est quand tu dis un autre album qu'on vous présente. Bah oui, t'es en train de le présenter. T'as pas... Ou tu dis un autre album ou je vous présente. Que... Oui, mais là, je l'avais bien dit, c'est ce que j'avais dit. Oh non! Toi, t'as envie de te barrer. Hein, ouais. Le bivouac, canane. Grave. Il y a pas quoi? Il y a pas que moi. Il y a pas que moi. Il y a pas que moi. Un miam. Oh, j'ai faim. Il est trop fin. Oh, il est chaud. On dirait le pingouin qui se bat tout le temps. Oh my god. Je continue. Allez. C'était quoi ce bruit? Ça m'énerve. Comment tu fais ça? T'y arrives pas? Ah non.
Mais non. Bah si. Mais ça fait pas de bruit. Mais j'y arrive pas. Ah, c'est atroce. Quelle horreur. J'ai fait de l'ASMR. Dans le monde. C'est A-U-U-A, article pas la fille. Alors, je. Et ensuite. Faut que j'arrête avec les A. Hein. C'est pénible, hein. Bon, okay. Tu es pleine de sons. Tout à fait. De... Tout le temps, tu sais, mais. Alors, dans ces trou... dans... Oh, mais c'est pas possible. On va y arriver, vas-y. Donc, par exemple... Non, je... J'arrête avec les donc, hein, je fais que ça. C'est pas possible. Par exemple... Donc... J'arrête avec les donc. Par exemple, donc... C'est pas possible, j'en dis. Tu le marques bien, donc... Tu découvriras, alors que le jeu suit, en plus je bug. Charlène, arrête de rire. C'est pas possible. C'est bon? Pardon, oui. Je vais me faire déglinguer, moi. C'est bon, t'as fini de rire? On peut y aller? Paraître inaccessible. Non, je sais pas. Alors, ce E, il était au moins de 3 secondes, quoi. Je vais pas y arriver. Tu t'écouteras. Ouais. 3 secondes, celui-là. Hop, le petit truc de bave. Inaccessible et compliqué. Je m'entends le dire. Faut terminer là parce que moi j'ai de fou rire. Je me sens fou mal. Je sens que je pars à chaque instant. Donc il faut que tu le fasses. Et puis ça. Parce que là. Je me retiens, je me bouffe les lèvres, y'a plus là. Il faut te dépêcher. Je te regarde même pas. Comment j'étais en lutte, quoi. Allez, c'est toi qui clôture. Hein. C'est vrai. Ah, non, ouais, c'est moi. Non, c'est toi. Ouais. Aujourd'hui, j'ai rien foutu. Moi. Donc, dans ce premier tome, non, ça va pas. Pas donc, merde, fais chier. On a dit pas de gros mots. Ensuite, une autre BD qu'on vous présente. Est-ce que je sais lire que ça? Oh, c'est une autre BD, puis t'enchaînes. Oui, voilà. Eh ben, dis donc. C'est passé les messages. Message au bord d'enfance. Ouais. On dirait que j'ai plus de pile. On dirait rentre le soir. Hein. On commence donc. Je veux tout le temps le dire, le donc. Mais c'est oui. Pas possible. Je vous montre. Voilà. Pourquoi je fais? Je ne sais pas. Pourquoi j'embrasse les gens, moi? Pourquoi? T'es prête? T'es prête? Je suis prête. On n'est pas prête du tout. Allez, c'est parti. Bien que ça soit assez enfantin, c'est tout de même. Tout de même. Tout de même. Je prêche une Deutsche. Je leur fais. J'arrive. Me regarde pas. Enfin, si, me regarde-moi. Non, je sais pas. Ah. Avec sa grande bouche qui aspire. Ah, tout ce qu'elle trouve. Tout ce qu'elle... Non, on peut pas dire ça. Et lauréat 2021. Je vais être dans ton équipe. Attends, je peux
peux plus là. Mais pourquoi tu t'avances? Non, je sais pas. Non. Je te propose de revenir demain. Je suis... Je vais avoir plus de bêtises que de vidéos. Allez. Attends, faut que je me sèche. Et assister à des spectacles après avoir des cas. Tu vois, c'est chétane cette phrase. Oh, ça recommence. Mais ça filme, on a dit. Ouais, mais par contre, on voit nos cuisses là, non? Comment? Bah ouais, moi je suis pas dans le cadre. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Pourquoi j'arrive pas à cadrer aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons des soucis techniques. J'ai une voix comme d'habitude. Je sais pas, on dirait. La voix des soirées. Tata Suzanne. Tata Suzanne. Comment tu vas, mon chéri? Anouk Bois-Robert et de Louis Giraud. Gigot. Giraud, ça commence. Gigot. Chez Helium. Alors, ça. Tu me la refais pas du coup? Non, c'était à chier. Non, mais tu dis Giraud, Gigot, on s'en fout. Et en plus, c'est Rigaud. C'est l'histoire donc d'un ours et d'un écureuil. Tu connais pas le écureuil? Non, mais c'est pas possible. Ah, c'est ouf comme ça ressort orange là. Pourtant, tu l'es pas, hein, je te vois. Mais si, je suis orange. Éteignez-moi les lumières, s'il vous plaît, parce que là, je suis orange, on dirait crinière de feu. Ah, ouais, mais ça te va. Moi, je trouve que ça te va bien, mais. Félinera, tête de tigre. Non, je suis orange. Allez, on coupe tout là. Elle est épileptique ta chemise sur la vidéo. Ça fait penser au serpent. Elle est confiante. Pourquoi tu rigoles? C'était très allemand ce que tu me dis. Gretchen. 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 Ja, ah, allez. C'est comme ça que tu dis? Sprechen Deutsch. Sprechen Deutsch. Sprechen Deutsch. Sprechen Deutsch. 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 Oh merde. Ouais, bah t'as compris. Donc aujourd'hui. Quoi? On n'a pas mis le micro. Oh ouais, non, mais nous, YOLO quoi. C'est bien. Oh là là. Mais ce qui est bien, c'est que tu t'en es rendu compte avant qu'on termine la vidéo. Et ça, c'est bon. Avec du son, ça ira mieux. Bah du coup, faut tout recommencer. Un, deux, un, deux. On fait un petit ASMR. Voilà. Et ben voilà. C'était Zombie Millennium. Merci. C'était Zombie Millennium. Raccroche les wagons, là. Oh, j'ai déboîté la chaise. C'est un signe, tu crois? Mais non, attends, bouge pas. Oui. Oh, putain. J'ai senti. C'est avant ça. J'ai senti qu'il venait, tu vois. Je me suis dit, non. Oh, c'est bizarre. D'habitude, le dossier monte pas jusque là. Il est là. Mais j'étais sûre que je suis dans le cadre, il me manque pas une épaule. Je sais pas, j'arrive jamais à te voir dans le coin là-bas. Tu vois pas, j'ai les cheveux oranges, regarde bien, on voit bien. C'est que je vais mettre un gilet jaune. Tu vois bien mes épaules. Alors aujourd'hui, à l'occasion du Pumpkin Challenge. Pumpkin Challenge? Ouais. Automne Pumpkin. Pumpkin Challenge? Pumpkin. Oh merde! Ouais, bah tu sais quoi? C'est le Pumpkin Challenge. La citrouille de, le... de l'automne là. Ça ira très bien. Allez, c'est parti. Attends. Alors, déjà, c'est un album à partir. J'étais pas prête. Pardon. Vas-y, fais ta vidéo. Excuse-moi. On y retrouve avec moi, Charlène. Et de moi, tu rigoles, on va pas y arriver. Oh là là. La métaphore, je pense que tu voulais dire. Ouais. Et tu sais, quand j'écris ça, je sortais de soirée, alors... Putain, j'ai l'impression que je me vautre aujourd'hui sur la chaise. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on est comme ça, tu sais. Non? Non. Je sais pas. Tu veux qu'on se promène avec des tuteurs comme ça? Oh là.
Quoi? Qu'est-ce que c'était? Je sais pas. Hein? Tu reprends où du coup? Bah, je sais pas. Pour la 50e édition? Un roman, donc notre. On va tout. Un autre roman, donc c'est. Oh non, mais t'as vu comment je l'ai dit? Un autre roman! C'est la merde. Donc du coup, faut que tu recommences. On va... À quel niveau je recommence? Non, pas tout, t'inquiète pas, t'as vu ta tête. Tu veux. Quel niveau là? Donc, on va suivre. Tu reprends tout naturellement là. Allez, on y va. C'est parti. Allez, tu fais comme ça. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Magali. Je suis qui? Petite sélection. Aline. Ah non, tu mets pas le bon. Mais c'est quoi ce cirque? Je ne sais pas. Et maman, madame Isa. Mais on n'a pas fait de mal aux gens quand même. Ça marche pas aujourd'hui. C'est quand même pas. Super sympa, je trouve. Bon, allez, on recommence. Elle est beau savoir qu'il est forcé. Oh là là. Je recommence. Je peux le dire si tu veux le mot. Hartung. Forbidden. Je te la traduis.